Quels sont actuellement les meilleurs items des personnages sur le 7-12 de Teamfight Tactics au moment où je prends cette vidéo Donc le 26 juillet, euh, on est encore sur le PBE, il va y avoir des petites modifications avant la sortie officielle le 31 juillet. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a des datas. Alors je ne sais pas comment ils les ont eues mais, euh, parce que ça, ça m'étonnerait que ce soit que les gens qui utilisent le client, mais si on filtre sur les deux derniers jours, sur le PBE, on a désormais des datas, et on peut voir des choses, on peut voir les résultats des combinaisons d'objets des personnages. Euh, je te fais pas tous les disclaimers de, attention, les data sorties du contexte, on n'a pas les compositions, c'est pas encore la sortie officielle, etc. Ça va déjà nous donner une très bonne idée de quels items fonctionnent sur quel personnage, de valider ou pas le théorie crafting qu'on a fait sur les champions, et que tu puisses Build le plus optimalement tes personnages et en plus avec de la donnée parce qu'on est quand même sur 1 million de compositions, 1 million 173 168, donc ça fait déjà une bonne base pour avoir du retour sur ce qui s'est passé. Enfin, j'ai trop hâte, voilà, ça fait trop plaisir. Déjà, premier point, <laughs> c'est classé par Average Place et je crois que tu peux voir karma elle est un peu en train de dire Moi je suis plutôt une légendaire, les mecs, je vous laisse en, entre quatre costes. <laughs> Alors que il est en train de dire, ah, c'est un peu galère, les temps sont durs. Les temps sont durs chez... chez Olaf, mais Karma, les temps se passent bien. Voilà, les temps se passent bien. Évidemment, c'est juste cette unités, c'est sorti des compos, etc., etc. Mais je vais pas te faire tous les disclaimers, hein. au pire tu me les mets en commentaire, c'est pas grave. <laughs> Allez, on est parti. Donc je vais les faire dans l'ordre. Je vais les faire dans l'ordre et on va voir vraiment leurs items. Et on arrive sur Karma. Donc les, les chiffres intéressants à regarder. Euh... En gros, en gros, on va faire au simple, c'est qu'on va se baser sur l'average place, donc le placement moyen euh, qu'a fait la combinaison d'objets du personnage, euh, et l'échantillon de partie sur lequel il a été fait. Et euh, on va à trust leur note S, qui est un mix de ces quatre critères-là, pour effectuer une note et dire « Hey, ça a donné ça euh, !» Donc voilà. voilà, on va se baser là-dessus. Donc Karma, pour rappel, c'est très très peu de mana, et ça donne tout le monde. Donc nous, on avait théorisé exactement ce stuff, et petite balle à Tartman, Tartman m'a dit, oui, dans le Nashor, gna gna gna, 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 gna c'est nul, lalala, la théorie est nulle, et ben voilà, top 1, top 1, plus buff dans le Nashor, de rien pour ça. Et avec le Morello, comme ça, tu burns absolument toute la team en face, tu dots tout le monde, tu rapides tes dots sur tout le monde, tu stacks les dots, et en plus tes dots font plus mal, parce que tu te sens moins fort dessus, donc là on peut voir vraiment 3-11... Euh, C'est un des stuff 3 de karma. quoi. Évidemment, alors attention, attention, euh, évidemment, n'importe quelle combinaison qui contient Blue Buff, Morello est très bien. Ah, on va pas se mentir. C'est juste que Dandachor marche très bien sur les unités qui ont très peu de mana et, et Blue Buff marche très bien sur les unités qui ont très peu de mana parce que du coup, tu vas, tu vas cast instantanément. Là, elle va passer à 20 de mana, du coup tu vas instant cast, et donc tu vas instant proc la dent de Nashor, donc tu vas pouvoir mettre des casts sur tout le monde, donc t'appliques les debuffs sur tout le monde, ce qui est logique, le fait que ce soit son bis stuff. Mais, euh, comme tu peux le voir, euh, sur des échantillons plus faibles, mais des bons échantillons quand même, si par exemple tu fais blue buff, euh, euh, crit, red buff, t'arrives sur des résultats excellents, parce que tu appliques le moon sur tout le monde, tu fais des bons dégâts avec le crit, et tu fais des bons dégâts avec le blue buff. Bon voilà, grosso modo, évidemment à 30 mana, Blue Buff, c'est le roi. Et comme tu peux le voir, euh, on a quand même des résultats bien meilleurs quand on a de l'antille. Ok, donc ça c'est vraiment les, les deux données qu'on peut voir qui ressortent. C'est quand il n'y a pas lentille genre là, gagner 30 d'AP toutes les 5 secondes, ça vaut absolument pas. Absolument pas. Surtout qu'elle souvent elle va être un cantor, machin et tout, donc ça met du temps à scale et elle a déjà des synergies scaling AP. Ça vaut absolument pas le fait de lui mettre de la, du, du, de heal quoi. Morello ou red buff, à peu près même combat. Évidemment, quand t'as des spades, bah, les stats descendent encore plus. Mais là, c'est vraiment ce que nous dit Karma. Elle nous dit je suis très forte mets-moi un blue buff et un Morello et, euh, et on en parle, quoi. Et je vais te montrer des choses. Et elle a bien raison, et évidemment, non Achar ça ressort. Hein. Ça ressort aussi parce que bah, c'est très fort sur les unités. AP à faible mana. Et souvent, elle est jouée en... avec ses synergies, Chrono ou Encantor, ou les deux. Et du coup, tu vas les stack rapidement, donc tu as besoin de beaucoup cast. Donc c'est logique. Ok, on passe au suivant. Nami, un très intéressant Nami. Nami, caster 50 d'AP, mage, Eldritch. Donc elle n'est pas toujours jouée en mage. Par exemple, cette Eldritch, Ketchup sh Shifter, tu joues Nami, mais tu la joues pas mage. Et tu la rentres également dans des compos mage, comme les 5 mages, avec Vex, Vega. Donc quand elle est en mage, euh, ses ratios d'AP sont un peu plus bas, mais elle double cast. Et, euh, et là, euh, comme dit, euh, je ne peux pas filtrer vraiment sur les compos pour vérifier. Ok, quel est le stuff dans le cas de la compo shape shifter ou dans le cas de la compo mage J'ai les augmentes et machin, mais j'ai pas les, les traits euh, à disposition. Euh, mais c'est pas, pas grave, ça nous donne quand même des très bonnes infos. Donc euh, là, ce qui a l'air de ressortir, c'est évident. Pareil, on est sur du classique. C'est qu'elle fait une grosse vague, elle fait des gros dégâts de zone. Morello marche très bien sur elle. Elle a 52 mana, donc Shogin est plus fort que Blue Buff. Euh, donc, les Shogin s'en sortent mieux. Et Static lui, permet, euh, parce que c'est plus un mage support, pas un mage dégâts. Donc, le fait de mettre plus d'auto-hit, avoir de l'attaque speed et euh, débuff tout le monde, ça va être beaucoup plus intéressant. Et là, tu vois, on est vraiment sur le stuff mage support par excellence. Static, Morello, Shogin, c'est genre je débuffe l'ARM, je débuffe HP et je caste. Et elle a évidemment besoin de caster d'items de mana parce que euh, tous les trois cast, elle va faire son effet, quoi. On peut voir que, du coup, c ça sort quand même vachement le mieux. Sur des échantillons relativement similaires, il y a quand même une grosse diff. Mais, euh, évidemment, tant que t'as Chauvin euh, et Morello... C'est vrai que les Steph sans Morello euh, s'en sortent un peu moins bien encore. Au final, tu vois, regarde là. Pas Morello, donc Archange. Ben, sans Morello, résultat beaucoup plus faible que, que Archange avec Morello. Quoi. Alors là, on est pareil sur des échantillons plus petits. C'est pas énorme, hein, 500 000 échantillons, mais c'est déjà une bonne base. Hein. C'est déjà une bonne base, vraiment. Trois items, tout ça. Euh, on peut voir qu'Archange, elle le value pas tellement. C'est vrai qu'elle a pas des ratios de port, hein, en vrai. Donc euh, Archange, ça lui, c'est pas non plus... Euh, ouais, son bis, quoi. Son bis, c'est vraiment lui mettre Chosin et, euh, et... de faire d'elle hein, vraiment un match support, quoi. Ok. Ok, bah c'est logique. Hein. Donc, évidemment, je pense que si tu prends un step avec Red Buff, tu vas arriver sur des bons résultats, voilà, à 3-21. Morello, 3,5, 3,21. Mais c'est parce que sa vague touche tellement large, elle applique le burn sur tellement de gens et la bulle aussi que c'est complètement logique. Donc voilà. on arrive sur Fiora. Fiora a des bruiseurs, durabilité courte, mais 70% de mitigation quand même quand elle cast. Elle tape des gros tas de packs, donc elle escale beaucoup sur la D. Donc Fiora, de base, ça nous laissait penser qu'il fallait la stuffer BT Sterak. Euh, pour qu'elle puisse survivre et se soigner, et même si elle est déjà warrior, euh, il, elle, le fait de taper autant en homme-vivant semblait très fort, et on, on était parti sur un BT, Sterak, et un autre item, on va voir ce qui se fait. Donc BT, Sterak, Titan, BT, Sterak, Hoge, sur des résultats relativement similaires, euh, là on est sur les spat-miel, c'est encore des cas à part, Hoge, euh, euh, elle, ouais, elle a des légers ratios AP là, mais c'est pas non plus énorme, euh, Oge Titan, Sterak, qui est un petit peu plus bas quand même, euh, sur des échantillons de mid-game. Ça, c'est un... pas mal hein, un 365 sur 8800 parties. Alors, oui, la question du coup, Fiora aussi des questions sur les personnes comme Fiora, c'est est-ce que les builds à base de Edge of Night IE, idéalement les deux, est-ce que c'est mieux ou pas qu'un stuff bruiser Parce que ça se pose vraiment la question sur ces persos-là. Donc, on va voir les stuff où il y a Edge of Night, mais idéalement les stuffs où il y a Edge of Night et IE. Eu. Euh, tu vois, Edge of Night là, bon, il n'est pas plus haut que les autres, il n'est pas incroyable non plus ici. Là il est pas incroyable, 390 c'est pas incroyable. <laughs> Alors on avance, on avance. Titan Titan Bt, c'est pas incroyable, c'est pas assez si explosif apparemment. Euh, ça suffit pas, il vaut mieux, Sterak. Et là tu vois, t'arrives direct sur sterak Titan, t'es à 355. Ouais, c'est fort. Et là, du coup, ouais, mais c'est BT, encore une fois, on est sur BT Sterak et un plus one item, ce qui fait que t'es à 358, d'accord. Mais euh, t'es quand même sur un, un BT Sterak, quoi. Euh, ouais bah c'est les stuffs qui s'en sortent le mieux au final un hein. bête n'importe quoi hein. on est beaucoup plus haut avec ça ok Et je vais essayer juste de trouver un bah là j'en ai un sinon je l'aurais rentré dans, la... dans les filtres 376 edge of night c'est pas non plus euh... ah c'est pas incroyable edge hein. <coughs> of night infini edge ouais. ouais ça a pas l'air d'être le bis hein. en plus là on est sur 10 games ok Ok, 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 bah, Sterak euh, pété. Si t'as envie de stuff ta Fiora c'est si d'ailleurs sûr. Ensuite, Rakan. Euh, Rakan, du coup, c'est le tank faillé, mais qui n'est pas un tank puisqu'il est préserveur. Donc, c'est un tank support qui soigne ses alliés également, met des dégâts, mais il tank quand même parce qu'il a, euh, a quand même du shield euh, du euh, basé sur les HP. Donc, ça laisse supposer qu'en général, quand t'as envie de le jouer, c'est que t'es sur un setup. Enfin, ah, le jouer main tank, en tout cas, c'est que tu es sur un setup 6 si Sinon, ça va être un off-tank et son nombre d'items va dépendre de ton main tank et de ton setup. Donc, c'est quand même un bon tank, mais il est plus construit pour être un off-tank à la base. Alors, quand on est en 6 fae ou 9, non, 9, euh, ouais, 9 failles ça, c'est l'item radiant couronne fae. Ah, on... Armure faille. On est sur 2 et 1,93, donc 9 failles et fort, ouais bon. Je <laughs> crois okay, qu'il va s'en douter. Ensuite, euh, stuff tank classique. Euh, fort, Gargoyle, euh, Warmog, bon. mais ça m'étonne pas, hein, ratio de. Ratio sur le shield encore une fois, donc euh, c'est assez logique. Euh, si on voulait reprendre ses stats exact... je vérifie vite fait le scaling qu'il a sur les HP. J'ai à ça instantanément. On va regarder ça tout de suite, tout de suite. Ouais, voilà. Voilà, shield 20% de CHP. <laughs> ah oui, donc oui, tu lui fous du, du, du Warmug et tout ça, hein. bah ouais. Bah ouais, ça s'en sort mieux quand il y a des gros poules d'HP. Voilà Bah ça théoriquement c'est le meilleur stuff. Enfin, euh, d'après moi, c'est le meilleur stuff théorique. Et donc, c'est Warmug, Mug, euh, Gargol, Et il est à 3,72 avec. Ah, on est grosso modo sur la même chose qu'avec une rédemption. Mais c'est pas déconnant parce qu'il est aussi là pour aider les autres qui soigne en zone donc rédemption c'est très bien et ça se ressemble donc ça m'étonne pas euh, là on est encore sur euh, la couronne et machin il n'y a pas un super résultat la couronne en C5 fi hein, d'ailleurs 409 c'est pas non plus incroyable euh, ce qui m'étonne pas parce que encore une fois je suis pas sûr que ce soit le meilleur porteur hein. en tout cas c'est une spat c'est pas de spat oui mais c'est une pâte 357 367 sur des stuff comme ça donc euh, bon bah voilà quoi des hp et gargoyle dhp hein. gargoyle c'est vraiment ce qui s'en sort le mieux mon stuff, stuff tank, après tu slams ce que t'as, hein. c'est relativement logique. Ok, Tarikos, le Tarik. Voilà, pareil, on est sur du full tank, mitigation. J'avais dit qu'il fallait du healing parce qu'il a de la mitigation et le healing est plus fort sur les unités qui se mitigent. Donc on arrivait sur ce stuff là également hein. euh, la, la mitigation, la diclo pour heal, la Gargoyle et la qui fait que t'as les HP supplémentaires. Plus t'as d'HP sur des personnes à mitigation forte comme Tarik, euh, c'est plus fort et on... ouais, c'est logique. Hein. Logique, bah ouais, ça c'est le stuff tank par excellence sur ces persos-là, quoi. 66, mais mec, rédemption à la place, mais... C'est le même combat, ça, c'est du healing et, et des HP, ça aussi, même combat. Ça marche bien, même combat. combat. Euh... il ouais, a à peu près les mêmes stats avec tous les stuff tanks, en vrai, hein, c'est pas non plus... Tu vois, quand t'as pas de healing, c'est moins fort, mais bon, c'est logique, hein, complètement logique que ce soit un peu moins fort quand t'as pas de healing. Mais si tu rajoutes du healing, comme là, par exemple, si tu prends ce stuff-là, il va avoir un bon win rate. Oui, oui, bah oui. C'est logique. Ok, bon, bah t'as rien d'exceptionnel, hein. c'est pertinent. C'est un stuff tank avec de la mitigation, des HP et surtout du heal. Le heal est plus fort quand t'as de la mitigation active. Alors, notre frérot Tamkench. Tamkench, Tamkench, Tamkench. On va reprendre la fiche du perso. Euh, Tamkench, Tamkench. On a dit du coup, il a 5% de dégâts sur ses HP et sinon sur son AP, mais sa tankiness ne dépend pas de ses stats défensives. Donc ça laisse supposer qu'un très bon item dessus, c'est protectors Svo. C'est un Nautilus. Voilà, il faut le voir comme un Nautilus quoi. Donc ça laisse supposer que, ouais, t'as envie de le stuff comme un Nautilus c'est pas comme un vrai tank, mais que c'est pas pour autant que le stuff en tank ce soit nul parce que ça va aider. Mais c'est plus un. Voilà, ça, ça laisse supposer ça en tout cas, on va voir. On va voir. Stuff tank classique, 3,87, c'est pas mal. 3,37 euh, sur la cape solaire. Ah ouais, ouais, c'est propre. Hein. Ok, stuff tank classique. Et du coup, est-ce que des gens ont slam protectors vaut dessus Ou est-ce que c'est trop faible hein, le mana pool que ça rajoute Ah non, tu vois, les, les, les stats sont excellentes quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Non, mais c'est logique C'est un outil de slack donc c'est complètement logique. Hein. Complètement logique que si tu lui rajoutes 30 mana de base, il va caster plus vite. Euh, ça lui fait un shield et le fait qu'il mette un gros cc de zone, t'as envie qu'il le fasse le plus rapidement possible parce que c'est un off-tank et pas un main tank. Euh, même si les vanguards, euh, ses stats défensifs sont du CC, ne sont pas euh, et ses ratios, ne sont pas de la survie. C'est pas un blisk euh, Donc il y a des très bons résultats, mais évidemment le build tank, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. Ok, logique, logique. Nasus Uh, scaling de 20% sur les HP sur ses dégâts et uh, scaling sur le healing. Euh... Mais il me semble que c'est relativement faible. Ouais, ratio de 300 sur le heal, c'est que dalle sur un 4 cost de star. Donc, Nasus, par contre, 20% d'HP en dégâts plus shifter, ça laisse supposer que tu as envie de le stuff avec de la HP, avec beaucoup d'HP. Donc, euh, Warmog, euh... pas le classique, hein, Warmog, Gargoyle. On va avoir. Eddie Claw. Euh, on est pile là-dessus, hein. pile là-dessus. Warmog dit claw, War, Rédemption, machin, mais tu vois, on est pareil. Tant qu'il est, c'est beaucoup d'HP, beaucoup d'HP et du winning, quoi. Beaucoup d'HP, beaucoup d'HP et du winning. Ouais. Ah, c'est du stuff tant classique, hein. Évidemment, moi j'ai. Enfin, évidemment. J'ai vu plein de gens mais dans mes lobbies, mais je crois que mon compte il est vraiment faible sur le PBE, hein, parce que mes, mes games elles sont un peu bizarres. J'ai vu des gens mettre Titan et tout, mais c'est nul, hein. Euh, est, ça n'a aucun sens, Il y a aucune synergie d'égal là-dessus. Hein. Par contre. Une vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que BT a des bons résultats Ça, on peut se la poser. Parce qu'il tape fort s'il a des HP, donc il peut peut-être se sustain. Il y a des chances que non, mais on peut voir. Parce qu'il se soigne fort, il tape. Là, c'est pas mauvais. Hein. En vrai. En vrai, c'est pas nul. Hein. Euh, c'est pas nul. Il est en dessous de 4, en tout cas, sur euh, ces builds-là. Il est en dessous de 4, quand même, le toutou. Sur ces builds-là. Euh, c'est pas opti mais c'est pas nul donc ça peut permettre de, de... c'est ça aussi qui est important c'est que de savoir si tu peux slam euh, sur ces compos là tes épées euh, au fond, défensivement ça donne de la versatilité savoir si Sterak euh, et Bt sont des bons items sur ton personnage te permettent de slam tes épées et de rajouter des self qui est parfois c'est ce qu'il faut faire quoi 342 Sterak mais là on est sur vraiment très très peu de games en tout cas évidemment Sterak marche bien aussi évidemment même si tu bénéficies pas de la D, ça reste un gros shield et tout ça. Quoi. Ok Pour bon, le toutou, c'est un tank. Alors, là, un truc intéressant le Rise. Et le Rise, est-ce qu'il est plus fort en item générateur en utilisant une Ginsu ou une Shojin C'est vraiment ça la question de Rise. Euh, normalement, en Théorie Crafting, c'est la Ginsu. Moi, je me souviens, je l'avais pas dit. Je l'avais pas dit sur ma vidéo. Mais, euh, mais c'est un truc qui était rapidement ressorti En mode Ouais c'est pas mal et effectivement j'avais refait les calculs Et à partir de 15 secondes plus de fight euh, Ça devient plus intéressant Et du coup il faut voir la durée du fight euh, Savoir si c'est le plus intéressant ou pas Mais du coup si on se base sur les stats Il y a des meilleurs résultats Sur les gens qui font Jinsu, Archange que sur les gens qui ne le font pas C'est très intéressant Mais ça montre également que Shojin a quand même des bons résultats Chojin Gensou mais Chojin Dandnachor etc c'est également des très bons résultats et euh, du coup moi j'ai dit Red Buff était très fort, moi j'ai dit ce build là hein, en gros il me semble, ouais, bah 361 tu vois on est bien en vrai, ah bah voilà <laughs> on est au dessus de ce build on l'avait dit ok, ouais ouais on a dit ça on a dit ça ok, non mais ça se tient ouais, ça se tient complètement après il y a moins d'échantillons mais du coup Red Buff et Chojin marchent très bien parce que le truc c'est que rise il a un bol supplémentaire à partir de 40% d'attaque speed et Red Buff donne pile poil 40% d'attaque speed. Ce qui permet de bénéficier classiquement de Tamana avec Shoshin, de l'attaque speed et de rentrer les dégâts avec euh, Guntlet. Donc ça effectivement c'est un très très bon stuff. 361 c'est très très propre. Mais euh, on peut voir que les builds Archangel Ginsu marchent également très bien et qu'il aime beaucoup le spell crit. Aussi parce qu'il a pas... Ses ratios sont peut-être un peu moins bons, mais... Euh... Ça m'étonne que ça, tu vois, typiquement, si tu joues Archangel, ce ne soit pas mieux qu'un Rabadon. Donc si par exemple on fait Archange, Ginsu, et Rabadon. Il ah, y a beaucoup moins de parties, mais c'est un peu plus bas, mais après on est sur des échantillons vraiment faibles. Parce que pour moi, quitte à jouer Archangel, autant jouer Rabadon. Mais c'est peut-être une histoire des nombres de composants aussi, hein, simplement. Et que, ah bah non, il faut trop de baguettes par rapport à... Parce qu à quand il t'en faut aussi. Ouais, ah ouais, non mais c'est pertinent. Ok. Bon en tout cas on peut voir que l'un ou l'autre, les résultats sont relativement similaires. Que ce soit Shojin, Red Buff ou jouer Ginsu ou simplement un build Shojin. Avec genre une dent de la ça marche quand même très bien. Ok, ok. Kalista Donc là tout le monde, ce que tout le monde fait, c'est Gitsu, IE et l'item fai. La question qui a, c'est est-ce que c'est le vrai bis? Est-ce que le bis c'est double ginsu item fae? Est-ce que c'est ginsu ie? Est-ce que c'est ginsu runan? Autre chose? Voilà, c'est ça les questions. Et euh... bon là on est sur le 9 Fae, donc euh, c'est un peu différent. Voilà. Donc en gros est-ce que ça c'est mieux que ça? Et l'item le, le... On est sur 4,18 avec l'IE et 3,92 100 sur énormément de parties. Hein. Putain, Kalisté, elle est aimée. Hein. 28 000 là. Et bon, après, c'est des builds classiques aussi, donc c'est pour ça. 15 000 là. Donc il y a quand même une énorme différence sur les gens qui jouent double Ginsu, où On a un bien meilleur résultat. On peut voir également que la Whisper a des super résultats, bien meilleurs que ceux, les builds IE. Ah, c'est trop intéressant. Red buff a des bons résultats aussi. Les spades pyro, logique. Euh, Runan n'a pas un très bon résultat par rapport à... aux autres. Non, en vrai, ça va être à 97, j'exagère. C'est la même chose. Non, mais c'est ça qui, qui qui marche pas, en fait, l'IE. L'IE n'est pas le beast. Et évidemment, DB non plus, quoi. Donc double Ginsu, on s'emmerde pas. Double Ginsu item file. Marrant. Et quand tu mets pas l'item faille, ça aussi c'est une super donnée à avoir. Évidemment, il faudrait pouvoir filtrer sur le nombre de failles. Je suis d'accord. Mais pour on... l'instant, enfin, on peut pas. Euh... Donc, sans l'item faille. Donc, est-ce que c'est quand même joué dans les compos failles et tout 4.22, 4.24, c'est beaucoup plus faible. Ça, hein. c'est sûrement avec l'augment Anger Issues. Ça, ça va. Mais ouais, du coup, double Ginsu. Ou, euh, ou la version avec le Last Whisper, mais ça donne un bien meilleur résultat que la version avec IE des parties qui ont été jouées. Super intéressant. Après, attention, hein, ça ne veut pas dire que la version avec IE est nulle. Hein. <laughs> c'est pas... Juste, c'est pas... ça, ça a l'air, si t'as le choix, ça a l'air d'être un meilleur choix de mettre double gins, quoi. En gros. Ensuite, Gwen. Alors Gwen, euh, Gwen, Gwen, Gwen. AP Bruiser quoi. AP Bruiser, donc du stuff à AP Bruiser, est-ce qu'il y a des dingues qu'on va voir euh, ça, ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. 3,69. Énorme. Elle aime beaucoup Ionic, parce que ça lui fait sa résistance en plus. Et le spell crit. BT spell crit, machin. Évidemment, Blue Buff, ça marche bien aussi, parce qu'elle a un très faible pool de malin. Et euh, sa compétence augmente le nombre de coups de ciseaux qu'elle met plus elle caste 3,78. Putain, ça a l'air de bien marcher la hoge, hein. Oh! Mais elle, elle, elle a des ratios AD ou c'est juste parce qu'elle met des autoïdes qui comment ça se fait que ça augmente tant que ça parce que là, ces ratios sont juste AP. Alors, oui, ok, elle bénéficie de l'omnivamp et de l'AP, mais euh, pourquoi à ce point là, quoi? Elle n'a pas des stats. Euh... Un... J'avoue, il y, y a une bille j'ai pas. Peut-être tu peux me dire en commentaire, mais normalement, OJ c'est très fort sur les. Après, ça file de la malade basse. Du coup, tu stack plus vite ta première attaque. Ouais, mais non, ça t'augmente que de 1 neutre hit. C'est pas non plus énorme. Et le crit, ouais, mais c'est parce que tu joues spell crit. Et du coup, t'as besoin de crit. Ouais, ok, ok. Euh, je, je vois le délire. Effectivement, si tu veux jouer spell crit, oh, j'ai est mieux que BT, quoi. C'est logique. Parce que ça, ça te file du crit et BT t'enfile pas, quoi. Du coup, il euh, y a un bail dans lequel euh, si tu joues spell crit, tu veux Oge. Oh, si tu joues. Mais tu vois, ça par exemple, voilà. Ça, ça me parle plus. Tu vois, ça, ça stuff là, de base, moi, c'est un truc qui me parle. Je me dis, OK, BT, Blue Buff, Ionic. Et là, on est sur un très bon résultat. 31. Moi, il n'y a que 323 parties. Mais tu vois, moi, de base, j'aurais plus vu soit un bail comme ça, vraiment, en, en me disant qu'est-ce qui va être le plus haut. Mais pas la Hoche oh, Mais je Pelle si, c'est pas déconnant, ouais. Ouais, si, si, c'est con. C'est vrai que ce stuff là, ce stuff là, sont... ces stuff là, sont pas déconnants. Des stuff AB Bruiser quoi et euh... et tu vas chercher du crit en plus. Ok, ok. Mais un peu n'importe quoi en vrai, hein. tu vois, Blue Buff. Veux... Tant que tu mets Blue Buff Ionique, t'as quand même des très bons résultats, quoi. Et là du coup, Titan, ça me paraît vraiment nul, hein. Ouais, ouais 439. Mais je sais pas pourquoi les gens mettent Titan, peut-être qu'ils ont pas mieux après. Mais on est quand même sur 3500 personnes qui se pensent encore que Titan est un item bruiser AP. Et ça, ça je pense c'est terrifiant. Ça, je sais pas d'où sort ça, mais c'est terrifiant. Hoche, euh... Pelcrit. <laughs> tu vois, ça marche bien aussi. Hein ouais. Et du coup, les dents de qu'est-ce que ça donne, les dents de C'est moi, que je me demandais ça. Les dents de qu'est-ce que ça donne sur Gwen Parce qu'elle. Euh, ouais, les, les stats sont bien. Hein bah ouais, parce qu'en fait, vu qu'elle met des coups de enfin, vu qu'elle a besoin de casse. Pour stacker ses ciseaux. Moi, dans la char de base, c'est pas déconnant non plus. Hein. Parce que c'est pas comme ça, Là, Elle, elle a un vrai scaling sur le temps du fight. Donc, plus elle va casser, plus elle est contente. Quoi. Et du coup, Blue Buff, voilà. Par exemple, ce stuff-là. 3,50. Mais que 76 parties, malheureusement. Et c'est propre. Hein. Bon pour voir plus de détails. En tout cas, du stuff -fap et bruiser. Hein. Ça marche bien. Bon, Varus, du coup, on avait dit sur la vidéo de faire ce stuff-là. Mais la question, c'est est-ce que le stuff Ginsu est mieux que ce stuff-là hein, En gros, euh, regardez. Ah, c'est kiff-kiff bourricot. Hein. Ouais. Hein. Euh, après, on a dit ça, mais euh, c'est un AP caster et que c'est sa compétence qui fait mal. Mais. Après, il y a le système du stacking de mana, mais sans n'est pas un multiple de 15. Hein. Du coup, tu arrives à. Là, tu démarres à 80 de mana et du coup, tu arrives à 75, 90, donc es direct en over mana et c'est ton deuxième casque qui va plus vite. Mmh, mmh, mmh. Ah ouais, et un stuff pur DPS aussi, on avait demandé, ouais. genre ça ou DB et tout ça quoi. Et tu vois, apparemment, sur les chiffres des peu de parties qu'on a, mais les chiffres quand même, euh, ce gear là a quand même un bien meilleur win rate, hein. Mais bon, quoi qu'il arrive, on peut voir que quand t'as IE la Swiss tu tapes beaucoup plus fort que les builds qui l'ont pas, au moins IE quoi. Si on prend les builds sans IE, voilà c'est un bon build quand même. Hein. 181 45 405 Il y a quand même beaucoup de builds IE dans les meilleurs builds, hein. évidemment. Runan Ouais 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 bah ça se voit en vrai hein. Mais apparemment rentrer euh, juste une énorme patate sur l'ultimate et basé le fait que tu as déjà beaucoup d'attaque speed ça marche bien en fait on a vu aussi que vu qu'il est blaster il y a une certaine value augmentée le l'uptime du buff mais t'as surtout envie que son casse, fasse mal et pas trop value l'uptime du buff donc en fait c'est pas déconnant si tu as pas mal de pyro mais là aussi il faudrait filtrer en fonction du nombre de pyro mais euh... mais là on peut pas filtrer en fonction du nombre de pyro avec les items quoi euh, bref anyway euh... t'as envie qu'il fasse mal donc c'est pas déconnant en fait je pense que si t'as beaucoup de pyro euh, tu veux que ton cast fasse très mal et donc rajouter. Euh... Genre, tu vois, je fais Infinity Edge, Last Whisper, Last Whisper, et un gros item de dégâts, genre une DB ou autre. Genre là, tu as 3,64 la DB, tu vois. C'est logique, enfin, c'est pertinent. Tu veux veux mettre des énormes castes, un peu comme une Calista, hein. au final, euh... pas une Calista, putain, comment t'appeler Au ah, j'ai oublié. Keïsa, ouais, Keïsa. Tu voulais surtout qu'elle fasse très mal sur son cast. Bah, peut-être que a... c'est un bail du genre, au final. Hein. Tu veux juste que son cast, qu'il éclate des bouches. 3,70. 60... Oh. Alors qu'il a un, un faible winrate -right de base. Hein. Évidemment, euh, Runan, ça marche bien aussi. Ouais, c'est relativement logique. Ok. Et on arrive sur le bro, Olaf. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de questions sur le crafting dessus. Comment jouer, machin, truc. Euh... Euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de stuff très très différents et je pense que ça va se voir dans les stats, il y a des gens qui testent tout. Les deux trucs les plus pertinents que j'ai vu, c'est soit un stuff breezer relativement classique en mode Terrak Titan Titan ou Terrak BT Titan. En gros, ça c'est une version breezer classique. Et l'autre version, qui posait beaucoup de questions, qui est la version que Tartman euh, recommande, qui est de jouer Edge of Night IE. Et donc, imaginons un Oj pour value les crits de ton IE. Donc, qu'est-ce que ça donne réellement ce frérot Est-ce qu'il faut le stuff IE, Edge of Night Est-ce qu'il faut le stuff Edge of Knight Est-ce qu'il faut le stuff Titan, Titan Là, du coup, les stats nous disent quoi dessus Nous disent que BT, Sterak, euh, Oj ont un bon résultat. BT, Titan, Titan ont des bons résultats relatifs au personnage Attention euh, la Regen, la Regen, donc ça c'est vraiment les Steph Bruiser purs. Évidemment, Mercure c'est moins fort. Là encore ça va en vrai, mais, euh, mais c'est nul quoi. Enfin, c'est aucun sens parce qu'il est déjà immune lui-même. Donc... Ouais, enfin bref, <laughs> il se pique. Euh, du coup, une IE mais zéro item de crit en plus, 4-12. Un Edge of Knight, euh, 4-12, 3-94. Là, en mode je suis tanky mais je deviens. Invulnérable, euh, ce qui est un peu bizarre, c'est un peu antisérgique, mais... Mais 3,94 quand même. Euh... Ok, tout tourne autour de 4 En vrai, Ginsu évidemment c'est nul. Ouais, bon... <laughs> Il n'y a pas besoin de stade pour le savoir ça. Mettre des c'est pas mal parce que tu y encore plus la D de Hunter. C'est pas déconnant, mais... Ça coûte cher en, en composant. Et euh, t'as déjà beaucoup d'AD, donc c'est pas forcément ce que tu veux rechercher. Bon moi, ce que je me demandais c'était ce Edge of Night. Parce que là, j'en ai pas encore trouvé des billes. Et Jeff Knight, Edge of Night, Infini Edge. Moi, j'ai dit avec OJ, hein, parce que pour moi, si tu fais ça, tu mets une oge, hein, Tu mets le crit en plus, tu mets pas la BT, quoi. Donc, ce build-là, 3,91. Et, grosso modo, il tourne autour de 4, mais il y a tellement peu d'échantillons. Tellement peu. J'ai envie de dire... Hein. Donc pour l'instant de ce qu'on peut voir, euh, il s'en sort mieux avec des items bruiser tank classique. Évidemment, stacker deux fois la, la BT, je pense c'est une énorme erreur. Parce que du coup, tu as beaucoup déjà d'omnivante de base. Donc genre lui mettre une c'est énorme. Et tu dis ok, ça file de RM, ça file du shield et tout, allez. Mais t'en mets pas deux, hein, évidemment. Deux, c'est une énorme erreur. Par contre, deux Titan, tu peux. Deux Titan, c'est complètement legit, hein. Ça, c'est legit. Euh, ça c'est des Jits euh... et ça je suis surpris que ça marche aussi bien parce que pour moi tu mets pas deux items d'Omnivamp de tu mets deux items qui te filent Tankiness et AD mais tu mets pas parce qu'il a déjà beaucoup d'attaque speed de base mais tu mets pas deux items Omnivamp mais euh... je sais pas ça a l'air d'avoir bien marché pour lui pour les 803 qui ont fait ce build alors Sterak Sterak BT 366 mais sur beaucoup moins de games. Y'a pas un mec qui a fait Titan Titan pour le fun ou Sterak Sterak euh... <laughs> Juste pour, pour le fun là Ah ça va pas être ouf, Enfin si en vrai ouais, ça va. Euh... Mais ouais c'est un peu antisynergique de faire Head of Night avec le reste. Hein. Parce que du coup ça, ça veut dire que tu veux qu'il tank et qu'il regagne et du coup ton dernier item il fait pas ça, il rend invulnérable, c'est un peu bizarre. Il lâche l'agro et tout, c'est un peu chelou quoi. Et donc les Titan Titan Sterak en mode plus tanky c'est que 4-11. Hein. On va voir si y a un mec qui a fait 3 Titans. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas un mec qui a fait 3 Titans. Titan, 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 juste pour le fun. Mais je crois pas que je puisse rajouter plusieurs fois le même item dans mes filtres. Ouais, ça le retient. Malheureusement. Donc, ça va être dur à trouver parce qu'il faut 3 fois les mêmes composants. Euh... Euh... Ouais, personne n'a fait ça. <laughs> personne n'a fait ça. <laughs> Terrible. Hein ok, mais bon, en tout cas, c'est quand même très intéressant. Euh... Donc, ouais, assez classique au final. Un peu comme le Lysine du 7 Monster. Ok, ok, ok. Mais encore une fois, il pourra revoir la sortie en pouvant filtrer sur est-ce que c'était en 2-Hunter, en 4-Hunter, en 6-Hunter. Parce qu'évidemment, du coup, ça varie énormément la déque qu'il a et donc le build qu'il a. Ah oui, attends, il y a un truc que je voulais montrer aussi. Oh J'ai zappé ah, Effectivement, il y a les secondes dans lesquelles ils sont forts, mais ça, ce sera une autre vidéo, ça va être trop long sinon. Mais c'est le positioning. Parce que Olaf... Je ne sais pas si tu le sais, mais Olaf, il saute sur la cible euh, s'il n'est pas sur la cible. Et donc, les quatre attaques et quand il change de cible. Et donc, en gros, Olaf, au début du combat, tu peux le mettre en back lane, il va sauter. Sur, parce qu'il change de cible, il en acquiert une. Donc techniquement, c'est un changement de cible. Du coup... De mon point de vue, dans pas mal de setups, Olaf, tu ne veux pas qu'il prenne les premiers dégâts. Donc tu ne veux pas le mettre en front lane, mais tu veux le mettre en second row. Qu'est-ce que ça donne les winrates en fonction de la ligne Je te rezoome un coup. Donc tout en haut à gauche, milieu. Bah milieu c'est logique, parce que c'est un des plus safe spots. Le problème de milieu, c'est que tu vas souvent stuck sur un tank. Mais 52,7 quand même de winrate. <laughs> Et donc quand tu le mets en back genre la case là à droite... Ah tu vois elle est haute hein. que la case là elle est vachement bien, parce qu'elle te permet de... Bloop, bloup, tu vois, tu, tu peux... Euh... La front lane va prendre l'agro et Olaf va aller chercher là-bas quoi. Et pour moi, c'était cette case-là la plus intéressante dans laquelle mettre Olaf. Parce Évidemment, elle est plus à droite, quoi. Mais, comme on peut le voir, même si très peu de gens l'ont fait, en troisième ligne, on a des super résultats quand même. Hein. Tu laisse vraiment les gens prendre l'agro et tu sautes comme un gros bourrin quoi. Et du coup, c'est pas déconnant parce qu'en fait ça peut te permettre, une fois que ta front et la fronte en face se stuck, lui il y a un bail dans lequel il va aller faire le tour et aller avoir un backline access. Tu vois ce que je veux dire Oh la dinguerie. Et ouais. Donc en tout cas les meilleures cases, c'est vraiment milieu ou la case à droite là-bas. Tu vois Ça c'est vraiment des bonnes cases, quoi. Et euh, les cases en troisième lane ont l'air d'être euh, vachement bien aussi. Évidemment, moins de gens le font parce que moins de gens euh, pensent à ça. Waouh Waouh 62% au pur back lane. Non, non, mais il y a des bails comme ça. Il y a vraiment des bails comme ça auxquels les gens ne pensent pas encore. Euh, ce qui m'amène à me questionner également, on va en profiter de le faire maintenant, sur Fiora. Je pense que Fiora a un positioning très particulier également. Euh, donc, on va checker ça. Fiora, Fiora positioning. Positioning stage 6. Sur les côtés c'est moins bien parce qu'elle va souvent prendre l'aggro du carry back lane. Et en gros ce que Fiora fait pour rappel, elle dash à travers le plus d'ennemis possible sur deux cases. Donc elle va prendre, imaginons si tu la mets là, enfin là chez l'ennemi, et que tes unités sont là, elle va dash comme ça. Donc quand t'es contre une Fiora, euh, il faut faire en sorte que son dash soit le plus arrangeant possible pour toi. Ah, et j'ai un exemple de game à te donner. Ah, je suis vraiment quelqu'un de bien. Incroyable. Oh, yeah. Incroyable d'être autant quelqu'un d'impliqué. De... Euh, je vais te montrer. Hop, hop. Ok, on est dessus. Hop, là. Alors là, c'est une game que j'ai fait euh, il y a 2-3 heures. Une heure, deux heures, j'en sais rien. Enfin, c'est ma dernière game. quoi. Euh, on était en setup mage, reroll et en face il y avait une euh, Fiora. Et mon but c'était que Fiora n'aille pas sur le Végard. Et donc je m'étais dit qu'en positionnant comme ça, elle allait voir qu'elle a plus d'ennemis au niveau de Tam et Morgana, et qu'elle allait dash vers là-bas et pas vers mon Végard. Voilà, ouais, c'est ça. Du coup elle se retrouve là-bas. Du coup j'aurais dû mettre Nami plus loin, mais c'est quand même un autre sujet et du coup, mon Végard pouvait avoir la prio target sur elle sans qu'elle atteigne mon Végard. Donc, ça, c'est d'un point de vue défensif contre Fiora. Euh, où du coup, j'ai décalé ma backline vers la gauche de façon à ce qu'il y ait le plus d'unités pour elle à 200 enfin, du côté opposé à mon Végard. Donc, j'ai décalé. Tu, tu peux voir euh, si on revient là. Euh, ma backline n'est pas au milieu. Je l'ai décalé à gauche exprès pour qu'elle ait qu'une unité là et qu'elle en ait deux là, tu vois. Et en fait, je m'étais je dit, si elle dash pas sur Vegar, j'ai gagné. Et, mais je veux pas que mon Vegar soit là-bas et la jouer safe. Je veux grid entre guillemets, le positionnement le plus intelligent du fight, euh, pour que mon Vegar la tape, elle. Qu'elle, elle, elle s'expose, mais que moi, j'expose pas mon Vegar. Donc, euh, tu sais, tu as avec tes clavier, tu vas sur l'écran de l'autre et tu bouges tes unités au, en même temps là, bon je t'ai pris des vidéos de positioning, c'est pas grave. Euh, bref, et voilà, et donc là tu vois, elle va dash là où il y a le plus de gens, et le plus de gens c'est là. Euh, donc, le positioning est très important de Fiora. Donc, si on revient dessus. Ouais, bah c'est quand même les cases du milieu protégées, de base, classique, quoi. Ok, donc tu la mets pas en seconde ligne pour que les autres prennent l'aggro, mais tu la laisses en première ligne parce qu'elle est suffisamment tanky bruiser, et tu la laisses essayer de choper deux cases euh, genre tac-tac et arriver vers là, quoi. Et, enfin, non, elle va faire tac-tac et elle va arriver sur le 49, quoi, par exemple. Euh... Et après, elle peut potentiellement taper par là, quoi. En tout cas, ok, donc si elle... ceux qui s'en sortent le mieux à, à, pour le moment, ça reste quand même ceux qui mettent sur ces trois cases-là qui sont quand même les trois cases les plus... Après les plus safe de la frontline, quoi. Ok. Et à l'instar de ça, si on prend un personnage comme Nasus, il y a de grandes chances que Nasus, son meilleur positionnement, soit de le mettre sur les cases purement sur le côté. Ah bah non. <laughs> ok, bah pas du tout. <laughs> C'est pas logique pour le coup. D'accord, faut le foutre au milieu, Nasus. Très bien. Très bien. Et, euh, et Rakan, du coup non mais c'est incroyable, personne n'est fort sur le côté, mais il y a forcément des gens forts sur le côté, c'est pas possible sinon. Et Rakan, normalement, c'est plus milieu parce qu'il va boost les alliés. Voilà, ça, ces cases-là, ça me semble bien, ouais. Euh... ou là, la rigueur, effectivement. C'est super intéressant, ça, hein. Incroyable. Et Gwen, je l'aurais bien mis soit sur les cases safe de la front, soit en deuxième ligne, pour être sûr qu'elle ne prenne pas l'aggro, tu vois ce que je veux dire Elle ils la mettent là et elle meurt pas, mais comment c'est possible quoi Des cases dangereuses ça, hein, genre celle-là Celle-là je veux bien comprendre. Bon bah, ça veut peut-être pas dire grand chose en vrai. Peut-être que... Parce qu'encore une fois, c'est juste les résultats des joueurs par rapport à juste cette case, mais ça prend aucun autre facteur en compte. Donc peut-être que dans le cas de Olaf, où c'est vraiment vraiment game changer, il y a un bail, mais c'est vrai que sur les autres persos ça compte peut-être <laughs> C'est possible possible en bon, bref euh, du coup on va faire que les 4 cases dans cette vidéo parce qu'on est déjà sur 30 40 minutes de vidéo et ça fait déjà pas mal mais on fera également les autres unités évidemment euh, je te laisse me dire ce que tu en as pensé en commentaire euh, Hésite surtout pas et bah, voilà même si tu as envie de saucer mettre un petit avis positif euh, fais toi plaisir mets un, un joli commentaire pour l'algorithme c'est une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite